Une chose qui est très 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 difficile à résoudre aujourd'hui parce que tous les systèmes ne veulent rien faire. Et en Afrique même, comme nous sommes divisés, comme nous ne sommes pas tout à fait ensemble, c'est très difficile de régler ce problème, en tout cas dans nos jours-là. Mais c'est un problème très dur, très, très triste qui se passe et tout le monde regarde et n'y peut rien. C'est ridicule de voir ces situations. La tournée pour moi n'était pas musicale, n'était pas une expérience musicale pour nous. Elle était une tournée d'expérience humanitaire. Et c'était pour la première fois en tant qu'artiste, en tant qu'homme populaire en Afrique surtout, de pouvoir mener une démarche à part la musique, c'est-à-dire une démarche plus ou moins humanitaire qui est les droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette tournée. Ben, c'était incroyable pour nous de voir 15 000 ou 20 000 Sud-Africains avoir le visa pour ce week-end, pour venir au Zimbabwe à Harare pour assister au concert. Ben, quand j'ai connu Peter, il y avait un effet. Mais j'avoue que je ne le connaissais pas très bien musicalement et je n'avais pas beaucoup entendu parler de lui. Mais quand on a avancé avec les relations, c'est vrai que j'ai senti que il y avait une nouvelle démarche, une nouvelle possibilité avec la collaboration avec Peter pour parvenir à faire publier ma musique, pour parvenir à une collaboration qui pourrait apporter à la musique en général quelque chose de nouveau. C'était extraordinaire pour moi et je pense que c'était une bonne expérience de rencontrer quelqu'un comme Peter Gabriel. Bon, c'est l'idée de la chanson Shake in the Tree est une chanson qui parle de l'émancipation de la femme africaine, sénégalaise en particulier, où on demande à la femme de sortir de la maison, d'aller trouver du boulot, du travail, de changer les systèmes, le travail qui est symbolisé par l'arbre, et le chèque par le système. Et dans cette chanson, nous demandons à la femme d'avoir des activités au lieu de rester gardienne de la maison. Mais l'Afrique, je pense, l'avenir de l'Afrique, c'est peut-être, nous pouvons penser que c'est la culture qui va peut-être refaire une espèce de conscientisation des gens. Les gens vont être très conscients de peut-être l'effet que va faire la culture africaine de par le monde. Et peut-être les gens vont repenser à une Afrique nouvelle, à une Afrique un peu plus
indépendant d'elle-même. Je pense que ce que je pense est l'avenir, c'est que aussi l'Afrique doit être encore un peu plus ouverte vers l'Occident. Find your brothers and sisters who can hear all the truth in what you say. They can support you when you're on your way. It's your day, a woman's day. It's your day, a woman's day. Sumu Yoruko, Sumu Yoruko, we are shaking the tree.